à travers les contrées célestes, par-delà les limbes du temps et les ténèbres du crépuscule. Ah, la question du placement de Breath of the Wild dans la chronologie de Zelda. Cette dernière reste un mystère entier pour tout le monde. Et quand bien même un certain nombre de personnes semblent persuadées de l'avoir résolue, qu'en est-il réellement? Le jeu se situerait-il dans l'une des trois différentes timelines, ou bien dans une convergence de celles-ci qui les réunirait toutes entièrement? Alors Keiji Aonuma pensait que la communauté aurait facilement trouvé une fois le jeu terminé, les clés de l'énigme sont toujours bien enfouies. Néanmoins, le jeu nous offre de nombreux indices qui semblaient pourtant évidents. Mais alors, où peut bien donc se situer Breath of the Wild dans l'histoire légendaire d'Hyrule? Lorsque l'on s'attarde un peu plus sur le lore du jeu, nous sommes confrontés à plusieurs interrogations. Comment expliquer la présence des Sheikah, complètement volatilisés depuis les événements d'Ocarina of Time, mais pourtant omniprésents et ce, en très grand nombre? Comment expliquer cette guerre contre un Ganon méconnaissable qui aurait eu lieu il y a 10 000 ans et orchestré par les technologies Sheikah? Comment expliquer la forte présence des Piaf, mais par-dessus tout la référence à la bête divine nommée en l'honneur de Medoli, pourtant unique aux événements de Wind Waker? Sans oublier les ruines de monuments et autres noms d'endroits d'Hyrule qui font référence à plein d'autres places de tous les opus de la franchise. Il reste encore plein d'autres informations qui mènent inévitablement à la confusion lorsqu'on essaye de toutes les mettre bout à bout. C'est ainsi que naquit l'idée d'une convergence temporelle. Personne ne sait à quel moment précisément un opus se déroule par rapport à ceux des deux autres timelines. L'ère du déclin d'Hyrule a très bien pu se dérouler en quelques millénaires, tandis que la descendance du héros a pu persister pendant des siècles après l'ère du crépuscule et de l'ombre. Afin de revenir sur une unique lignée chronologique, l'avenir lointain de ces mondes alternatifs convergerait en un seul et même événement, celui que nous compte Breath of the Wild. Tout du moins, l'idée de la convergence temporelle s'arrête ici. Bien qu'il s'agisse d'un jeu vidéo, ce principe d'unification de timeline est physiquement irréalisable. Imaginons qu'une personne trouve une pierre à un instant donné et décide de la peindre. Il se crée à ce moment deux temporalités différentes, l'une dans laquelle cette personne a décidé de peindre la pierre d'une certaine couleur, en bleu, et l'autre dans laquelle elle décide que la même pierre soit peinte d'une autre couleur, en rouge. Si jamais la convergence temporelle était réalisable, une fois les deux temporalités réunies, de quelle couleur serait cette pierre? Bleu? Rouge? Violette? Impossible. Et encore, il s'agit ici d'un simple exemple, tout ce qu'il y a de plus insignifiant. Mais quand on voit qu'à la fin de chacune des temporalités de Zelda, les événements sont considérablement différents et incompatibles, l'une où Hyrule est complètement abandonnée sous les flots et où un nouveau royaume de paix est établi à des miles des terres originelles, l'autre où le Ganon d'origine est mort avec la pièce de la Triforce qu'il possédait, et la dernière où Hyrule est une terre en déclin, la convergence est aucunement envisageable. Si l'on devait à tout prix s'attarder à trouver un tant soit peu de rationalité dans les noms des différents endroits de la carte et de leurs ruines respectives, il ne faudrait pas voir la convergence temporelle comme une solution, mais plutôt se questionner sur la provenance possible de ces informations. Et comment nous sont-elles parvenues? Par les Sheikah, évidemment. Ce peuple est présenté comme le plus avancé que l'histoire d'Hyrule n'eut jamais connu. Cyprua, qui n'a pas su comprendre directement les mécanismes de la tablette Sheikah, est capable d'inverser le temps pour rajeunir, ou alors de le figer pour permettre à Link de se restaurer. Nul doute que ses ancêtres, fondateurs de cette technologie impressionnante, eurent une certaine aisance dans la manipulation du temps. Il suffit de voir les chronolithes de Skyward Sword, sur lesquels est gravé un symbole très familier, et dont l'usage principal a justement un rapport avec le temps. Les créatures divines sont également nommées en l'honneur de personnalités emblématiques de chaque peuple. Si Naboris et Ruta sont nommés ainsi en l'honneur de Naboru et de Ruto, clairement indiqués comme étant les sages d'Ocarina of Time, ayant combattu aux côtés de la princesse et de Link, Rudania n'a donc absolument pas fait impasse à cette logique et est nommée ainsi en l'honneur de Darunia. On oublie cependant la dernière créature divine Medo, qui porte un nom en référence à Medoli, qui s'est éveillée sage dans Wind Waker. Comment expliquer une telle possibilité?
Est-ce que le simple fait que la présence du peuple Piaf, mais avant tout que la bête divine soit nommée ainsi, voudrait signifier que Breath of the Wild se situerait après les événements de Wind Waker? Il faut savoir que les anciens Chicas sont grandement impliqués derrière l'appellation de ces créatures. Non seulement manipulateurs du temps, ces derniers n'auraient-ils pas trouvé un moyen de s'approprier des temporalités en dehors de la leur? Dans Ocarina of Time, une fois vaincu, Ganon Spectral est envoyé par-delà les seuils dimensionnels grâce au fort pouvoir que Ganon a acquis en s'emparant de la Triforce du pouvoir. Ce boss a donc disparu dans une dimension extérieure à celle du héros du temps. Un autre Ganon Spectral se tiendra devant Link des siècles après dans Wind Waker. Aussi amusant que cela puisse paraître, sur sa lame est inscrit, en Illien, le nom de deux forgerons vivant à Termina, Zubora et Gabora. S'agirait-il du même fantôme de Ganon ayant fait des sauts entre les dimensions? Dans ce cas, le voyage entre le temps et l'espace dans Zelda n'est pas une chose impossible. On pourrait ainsi expliquer comment à Termina, un monde parallèle et indépendant d'Hyrule, les Chicas ont laissé des traces de leur passage. Et à l'apogée de leurs avancées technologiques, ces derniers auraient pu trouver le moyen de voyager librement entre le temps et les dimensions. Quand bien même il s'agit d'un amiibo, Wolf Link apparaît dans Breath of the Wild à l'aide d'un module Chica, et dès que l'absence du héros se fait ressentir auprès de la bête, ce dernier regagne sa dimension. Wolf Link est donc potentiellement le véritable héros du crépuscule et appartiendrait ainsi à une timeline alternative de celle dans laquelle Breath of the Wild se situe. À travers leurs nombreux voyages, les Chicas ont ainsi pu collecter des données sur les lieux ou les personnes qu'ils auraient visités ou rencontrées et les ont ensuite stockées dans les tours Chicas. De plus, considérant à quel point cette tribu fut proche des autres peuples d'Hyrule, ils leur auraient laissé le commandement des bêtes divines après les avoir nommées en honneur à des personnalités importantes d'autres dimensions. Cependant, penser que les noms de ces lieux-dits et ruines ont quelque chose à voir avec le lore principal du jeu pourrait sembler ridicule, dans la mesure où il s'agit à coup sûr de simples petites références pour faire plaisir aux fans de la franchise. Seraient-ce ces fameux OIC Moments énoncés par Aonuma lors d'une interview accordée à Famitsu? Cela prendrait sens dans la mesure où il n'a jamais évoqué de placement dans la chronologie lors de cette interview, mais seulement de petites choses issues du développement de Twilight Princess HD que l'on retrouverait dans Breath of the Wild. Le pont d'Ilia me fait penser à quelque chose, tiens. Ah, je vois. La tour du jugement, ça me rappelle un truc, tiens. Ah, je vois. J'ai une impression de déjà-vu en me promenant dans ces ruines. Ah, je vois. Sans compter tous ces petits noms sur la carte qui taperont directement dans les mémoires de ceux ayant terminé le remake de Twilight Princess récemment. La seule fois où Eiji Aonuma a été questionné sur la position de Breath of the Wild dans la chronologie, il nous informe de suivre les paroles d'Impa sur le passé d'Hyrule. Le monde aurait souffert de plusieurs batailles contre Ganon, et non Ganondorf. Cette spécification dans le nom de l'antagoniste n'est pas à prendre à la légère, car jamais Ganondorf n'est apparu dans la timeline de la défaite du héros. Link y a toujours combattu sa forme porcine. Breath of the Wild peut dès lors difficilement se retrouver dans les deux autres timelines. En effet, à moins que les événements de Breath of the Wild ne se soient situés avant ceux de Twilight Princess, l'état du Temple du Temps vient amener une première contradiction. Deuxièmement, dans cette timeline, la forme Ganon n'a, en théorie, fait que sa première apparition lors de Four Sword Adventure. Ce Ganon ne fut pas seul, car il se retrouva scellé à la fin du jeu dans l'épée de 4, accompagné de Vati. Dans ce cas, où peut bien se situer le mage du vent dans Breath of the Wild, de même pour l'épée de 4. À la fin d'Ocarina of Time, Ganon parvient à vaincre Link et s'empare ainsi de la Triforce complète. Fort heureusement, Ganon sera scellé à temps par les 7 sages à l'intérieur du Saint Royaume. Lors du combat final, le château de Ganondorf, anciennement château d'Hyrule, tombe en ruine. Le bourg d'Hyrule n'est dorénavant plus qu'une place entièrement désaffectée. Cela ne vous fait penser à rien? Souvenez-vous, le fantôme du roi d'Hyrule nous indique dans Breath of the Wild que le plateau du Prélude fut autrefois le berceau du royaume d'Hyrule. On y retrouve avant tout le temple du temps d'Ocarina of Time, mais surtout les ruines de la place du marché, avec la fontaine en son centre, et notamment les éventuels vestiges du château d'Ocarina of Time. Est-ce que le plateau du Prélude ne serait pas littéralement l'ancien bourg d'Hyrule, victime du combat contre Ganon, lequel la princesse Zelda aurait abandonné pour le reconstruire plus loin sur la plaine une fois la menace scellée? On retrouve dès lors de nombreuses références à Ocarina of Time dans Breath of the Wild. Entre les ruines de l'ancien bourg, Kitten qui s'est inspiré de la tunique du héros du temps pour réaliser la tunique noire, les mentions de Ruto et de Naboru qui se sont éveillés sages, et j'en passe. Cependant, combien d'époques séparent les deux jeux?
N'oublions pas qu'avant Breath of the Wild, selon la légende, il y eut une pléthore d'affrontements contre Ganon, ce qui laisse entendre que les événements de Breath of the Wild n'ont évidemment pas eu lieu directement après Ocarina of Time, d'autant plus que la guerre d'il y a 10 000 ans eut lieu après de nombreux autres affrontements face à Ganon auparavant. Malgré ses nombreuses prières aux sources des déesses qui lui semblaient être vaines, Zelda se révélera finalement porter la Triforce complète en elle. Lors de l'affront final au fléau, Zelda priait et, dès que ce dernier fonça sur elle, la Triforce entière se matérialisa afin d'exaucer son vœu d'éradiquer la menace, à l'instar du Link de Skyward Sword qui portait en lui la Triforce complète une fois avoir triomphé de l'épreuve d'Ilia avant de la faire sortir pour réaliser son souhait d'anéantir l'avatar du néant. Breath of the Wild pourrait apparaître ici comme une clôture symbolique de la légende, où Ganon est éradiqué une bonne fois pour toutes de la même manière que l'avatar du néant, grâce au pouvoir sacré des dieux. Ainsi, Breath of the Wild instaurait le point final à l'existence de Ganon, rejoignant de ce fait les deux autres chronologies dans lesquelles le Ganondorf originel fut vaincu à jamais. Néanmoins, si Breath of the Wild ne se situait pas à la toute fin de cette chronologie, il se situerait au moins avant les événements de The Legend of Zelda premier du nom. La période prospère et technologiquement avancée dans laquelle Hyrule se reposait correspond parfaitement à cette idée d'âge d'or, en plus de la possession de la Triforce complète par Zelda et donc, accessoirement, par la famille royale. La première destruction du fléau Ganon marquerait, dans ce cas précis, le début du déclin d'Hyrule. De toute évidence, c'est seulement dans la timeline de la défaite du héros que la famille royale fut en possession de la Triforce complète. Que ce soit justement durant l'âge d'or, mais également à la fin d'Adventure of Link, où le héros va réveiller la princesse Zelda de son sommeil éternel à l'aide de la Triforce complète. C'est d'ailleurs suite au sort de sommeil éternel dont elle fut victime que naquit la tradition de nommer toutes les futures héritières au trône Zelda. Reste à savoir si c'est bien de la même tradition que fait mention le roi Bosphoramus dans son journal. De même pour la Master Sword qui est introuvable dans les deux premiers opus de la licence. Chronologiquement, la première fois que nous voyons l'épée de légende dans Breath of the Wild, c'est dans son fourreau, dans le dos du héros, donné à lui par la famille royale en preuve qu'il est le véritable prodige et chevalier servant de la princesse. Si cette épée fut nulle part durant les événements de Zelda 1 et de Zelda 2, il est fort possible qu'elle fût gardée par la famille royale pendant des années après avoir été libérée de son socle dans les bois perdus. L'épée se situait forcément là antérieurement aux événements du jeu, et avant d'être confiée au héros, le piédestal de la forêt apparaît comme étant très ancien, évidence qu'il a déjà servi à maintenir la Master Sword bien des années auparavant. À l'époque où il n'y avait aucune timeline d'officialisée, les joueurs venaient de leur propre théorie pour amener une chronologie qui semblait tenir la route. Nintendo est ensuite arrivé en proposant leur chronologie officielle qui, amenant plusieurs contradictions que les développeurs ignorent, semble dorénavant plus divisée que rassembler les théories des fans. Breath of the Wild se permet de faire référence à tous les jeux de la franchise. Bien que, pour la plupart, il ne s'agit que de simples clins d'œil, d'autres semblent avoir plus grande importance, mais contredisent les partisans de chaque branche de la chronologie. Si Breath of the Wild était votre premier Zelda, vous seriez probablement indifférent quant à l'inclusion des Piaf et des Korogu, car vous ne disposeriez pas de référence pour leur inclusion préalable dans la série. Mais pour quelqu'un qui aurait joué à Wind Waker, il aurait une expérience différente avec eux et serait probablement surpris et excité de les retrouver dans le nouveau jeu. Le désir de vouloir donner un sens à un jeu avec une histoire et des mythes aussi étendus que la série Zelda est certes important, mais le fait d'être trop accroché à la façon dont les jeux s'adaptent entre eux à l'aide de ces références distrait le but premier de celle-ci. Nous laisser tracer notre histoire personnelle avec la série, forger notre propre voyage à travers les différentes légendes et incarnations d'Hyrule. Il ne s'agit pas de savoir si Link vaincra la menace principale, puisque c'est une conclusion évidente. Il s'agit plutôt de tous ces petits éléments qui amènent à cette dernière, toutes ces petites variations qui contribuent aux légendes dont nous avons déjà fait partie et à celles que nous avons encore à forger. Ne serait-il pas plutôt pertinent d'envisager la grappe des Zelda comme autant de déclinaisons d'une même légende plutôt que comme une succession chronologique d'épisodes? Quand Breath of the Wild apparaît aux yeux des fans comme un condensé de toutes ces légendes précédemment écrites, mais pourtant acclamé comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps, l'histoire dans Zelda, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu finalement ?